La prise d'otage dans une banque à Toulouse est terminée. Le forcené a été blessé au ventre au cours de l'assaut donné par les forces de l'ordre. Les deux derniers otages employés de l'établissement ont été libérés indemnes. Deux autres otages, des femmes également employées de la banque, avaient été libérées dans le courant de l'après-midi. Le preneur d'otages affirme avoir agi par conviction religieuse. Il s'est réclamé d'Al-Qaïda. Selon des sources policières, c'est un schizophrène en rupture de traitement, âgé d'une trentaine d'années, qui se nommerait Boumaza. La prise d'otage a duré environ 7 heures dans le quartier de la Côte Pavée. En mars dernier, c'est également dans cette zone de la Ville Rose que Mohamed Merah, qui se réclamait aussi du réseau terroriste, avait été abattu après avoir tué 7 personnes à Toulouse et Montauban.